J'espère qu'il est bien réveillé. C'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Tanguy, nous sommes totalement accros à nos téléphones portables. Oui, Daniel, ainsi moi, je préfère largement mon portable à vous. D'abord parce que je peux le toucher sans avoir à lui payer un coup à boire avant. Et puis lui n'est pas là à me dire « Mais enfin, j'ai une femme, un enfant, j'ai trouvé mon équilibre. » Mais surtout parce qu'il m'apporte des tas d'infos. Grâce à Google Maps, je peux voir quelles rues à Paris sont bloquées par les embouteillages, hein, donc toutes. Grâce à Wizard Pro, je peux voir quelles journées seront pourries niveau météo, donc toutes. Grâce à Billets Réduc, je peux voir quelles dates sont encore dispo pour les concerts de Chaim, donc toutes. Bref, nos téléphones nous sont indispensables, comme l'est le tampon Jax à l'amateur de haut plat qui, comme la vaisselle, n'a pu se payer qu'un ProLine à 89 euros. D'après une étude, un Français sur deux préfère se priver de sexe que de portable. Ah bon ? Ce qui est logique, parce que le portable, c'est de la technologie pure. Alors qu'un sexe, c'est nul, c'est moche, c'est un frein à la pratique du Vélib, c'est vieillot, le masculin notamment ne dispose que de deux positions, puis une seule au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et puis, il est impossible de consulter les infos avec son sexe. Hein, ce qui fait que les gens qui s'en servent beaucoup sont déconnectés. Moi, j'ai un oncle qui passe son temps au Cap d'Agde, et ben, il ne sait même pas que Macron a été élu il y a un an. Hein, il se dit, Hollande, il ne fait plus rien, on ne le voit plus, j'espère qu'il n'est pas mort. Alors, les Français consultent leur téléphone en moyenne 26 fois par jour. Jawad Ben Daoud de Saint-Denis se connecte, lui, 40 fois par jour à l'appli seloger.com. Hein, là, il a des Pakistanais qui cherchent un F2, ils lui ont dit que c'était pour faire pousser des roses. Les jeunes, cette communauté malodorante arborant des coiffures apocalyptiques, consultent, eux, leur smartphone plus de 50 fois par jour. Dans certaines familles, on ne communique plus que par émoticône. Hein, il n'y a que quand papy chope la jeunisse et ressemble au smiley vieux sur iPhone que ses petits-enfants acceptent de lui parler. Pire, 81% des gens consultent leur téléphone à table alors que leurs proches sont là. Hein, c'est chacun dans sa bulle, quoi. Le père discute sur Tinder avec Lilou 78 hot. À la fin, il confond tout. Il veut demander le sel à sa femme qui est à côté. Il se met à crier « Dis-le-moi que je suis ton gros ours qui va bien croquer ta gaufrette au miel. » Pendant ce temps, la mère sur son iPad fait défiler sur adopteunmec.com les fiches de types qui en vrai ressemblent autant à leur photo de profil qu'un McChicken dans son papier au McChicken qui était sur la fiche. Et les gosses discutent sur Snapchat avec leurs potes qui tous ont des oreilles de chat et des truffes de et qu'elles. Hein, ce ne sont plus les pédophiles qui viennent les draguer, ce sont les mecs de la Fondation Bardot. Bref, notre époque est un enfer. Mais Tanguy, le fait de se concentrer sur son téléphone portable plus que sur ses proches, ça porte un nom. Oui, absolument, Leïla. Ça s'appelle le phubbing. Hein, ça signifie qu'on snob les gens autour de soi. Là, par exemple, je vous parle. Oui. Hein, pas par envie, mais parce que c'est mon métier. Et ben, si Daniel, au lieu de m'écouter, surfait sur la page Doctissimo consacrée à l'hyperpilosité, eh bien, je le prendrais mal parce que c'est un moment d'échange. C'est un instant humain où nos émotions se rassemblent et où nous allons dans le même sens, c'est-à-dire la fin de l'émission pour pouvoir se casser. Seulement, là où il y a 20 ans, j'aurais pu faire une chronique médiocre, hein, parce qu'il y, avait zéro concurrence, à part un vieux Minitel dans un coin du studio où les gens tentaient de faire 36-15 Jacques Vendroux pour vérifier si on pouvait le voir à poil. En 2018, je sais que si cette chronique retombe, dans 7 secondes, vous êtes tous sur vos portables. Et pour maintenir le lien qui nous unit, je suis obligé de créer des moments d'intensité factice, en disant par exemple, qui veut de la drogue? Il y a Noël Gallagher en novembre qui a oublié une de ses 4 palettes. Ou alors, quelqu'un veut voir mon 12e téton? Voir quand vous n'êtes plus du tout dedans, en hurlant, Allah Akbar, vous allez payer pour la Syrie, fils de chien. Et là, tout le monde pose son téléphone direct. Il y a 20 ans, quand sur Inter, c'était Ruquier, le truc le plus fort qui pouvait entrer en concurrence avec votre chronique, c'était Claude Sarraute qui racontait la fois où à la boulangerie, elle a pris Berthe Silva pour Georgette Lemaire. Vous étiez peinard. Le phubbing, c'est horrible. Parfois, je parle à quelqu'un. Et là, une alerte Morandini prévient qu'Hanouna a dit du mal de Jérém Star, lequel a clashé Castaldi, qui a crevé les pneus de Nabila, qui a dit « Je m'en fous, j'ai toujours mes ins, et la pression dedans est la même, je viens de les faire contrôler chez Total. » Eh bien, je vois le regard de la personne glisser de mon corps pourtant félin et nourri à l'île d'Argan vers son 06 pourri. Et intérieurement, je hurle, je serais prêt à imiter Siri afin de garder l'attention de la personne sur moi. Hein, c'est moi, tout à l'heure, Leïla, qui vous ai dit « Bonjour, Leïla Barouche Spinoza est née le 24 novembre 1632 à Amsterdam. » Juste pour que vous pensiez que j'étais le site internet de Philosophie Magazine et avoir votre attention. Alors certes, le portable a des avantages. Si Ayrton Senna, en 94, avait eu Waze, un conducteur le précédent aurait pu lui signaler un obstacle. Mais cet appareil qu'on a tous sans cesse sur nous,
nous nous a fait perdre l'essentiel, l'autre. Nous ne sommes plus que des bulles solitaires dans le grand bain moussant de la vie. Alors que l'essentiel, ce n'est jamais l'écran devant nous. Ce sont nos fils, nos filles, nos amis, notre grand-mère, notre poster de Clara Morgan si on n'a pas de lien social et qu'on est très 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 chaud. Donc on éteint toutes ces conneries, s'il vous plaît, et on se reconnecte les uns aux autres. Bonjour Leïla. Frédéric Chopin est né en 1810 à Varsovie. Bravo, Tanguy Pastureau.